Radio J, l'invité du Grand Journal. Radio -G. Steve Nadja. Sandra Logier, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J cet après-midi. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris Panthéon Sorbonne et vous dirigez un ouvrage collectif absolument formidable et passionnant consacré aux productions culturelles les plus suivies de l'époque, les séries. Les séries laboratoire d'éveil politique, c'est le titre de ce livre publié chez CNRS Éditions. Dans votre introduction, Sandra Logier, vous expliquez que les séries se sont imposées comme des instruments d'éveil politique, donc comme des moyens peut-être inédits par leur puissance d'exposition populaire de mettre la lumière sur des enjeux démocratiques parfois insuffisamment interrogés à cette échelle. Peut-on dire que les séries sont devenues à la fois, sans dramalogie, un instrument mais aussi un indice de la vitalité démocratique de certains pays Je crois qu'en effet, les séries télévisées ont euh, vraiment ce rôle de plus en plus important, hein, donc d'éveil politique. Elles s'adressent à des publics extrêmement larges et en effet, elles jouent un, un rôle politique. Hein. Ben, on l'a vu euh, avec un exemple très connu hein, qui est celui euh, de Volodymyr Zelensky qui avait, oui, avait euh, lui-même oui. euh, voilà, lancé, lancé une série qu'il a propulsée euh, ou lancée. Et c'est euh, l'ambition mais... de leurs auteurs. Cette, amb Cette ambition politique et morale Alors, je pense qu'en effet, euh, il y a toujours une ambition politique et morale dans les séries et qu'on a tendance à la sous-estimer parce que on, a, voilà, on, a, on imagine que les séries sont des produits industriels de divertissement sans, sans ambition ni intellectuelle ni politique et depuis que je travaille sur les séries, je vois qu'il y a toujours une dimension bah, d'abord euh, de description sociale hein, parfois avec des grands classiques comme The Wire qui est une mmh. série euh, culte euh, qui a quand même aussi une très grande influence mais il y a également en fait cette possibilité par les séries télévisées de susciter en fait une conscience politique d'informer aussi tout simplement sur des situations euh, sur des sur des problèmes euh, politiques euh, et sociaux et donc du coup elles peuvent en effet euh, avoir euh, vraiment une très forte influence et bien sûr pour se développer, il faut qu'elles aient un cadre favorable. On ne fait pas des séries vraiment dans tous les pays. Mmh. Très, très largement, euh, euh, en réalité, c'est un produit quand même qui existe en. Quand même au niveau mondial qui circule énormément, mais c'est vrai que pour moi c'est aussi un outil démocratique et qui se développe en cadre démocratique. Alors parmi les enjeux étudiés par le prisme de personnages récurrents dans les séries, vous relevez Sandra Logie le racisme avec notamment Lupin et Wednesday I Us, la problématique du soin du care via mail ou plutôt encore d'urgence, la violence contre les femmes ou les risques environnementaux. On reviendra également un peu plus tard sur la lutte contre le terrorisme et la Bien manière sûr. dont les démocraties réagissent à cette menace. Duquel quel point selon vous le réel nourrit la fiction, en délimite le cadre et les objectifs. Et en retour, quel impact les séries ont-elles sur le réel, en particulier sur les, dans les régimes démocratiques Oui, merci beaucoup pour cette question, parce qu'elle montre vraiment aussi toute la complexité du sujet, puisque, en effet, les séries vont à la fois être euh, vraiment influencé par le réel et avoir une sorte de réactivité très forte. Hein. On se souvient, enfin, peut-être pas, pas vous, mais non si vous êtes quand même. 24 heures euh, chrono 20, par exemple. Euh, dans 20, pour 24 heures chrono. Euh, 24 non, je ne suis pas si jeune. Oui, je vois. <laughs> Donc 24 heures chrono qui avait euh, été euh, vraiment préparé avant le 11 septembre en fait, hein, et qui avait euh, été diffusé juste au lendemain des, des attentats du 11 septembre. Avec le la fameux Jack Bauer. Avec... Jacques Boer, euh, qui, malgré tout, elle a continué à sauver le monde euh, pendant plusieurs saisons. La série Homeland, aussi, euh, qui est une série inspirée, d'ailleurs, de Hattouchi, une série euh, israélienne, et euh, une série qui euh, avait aussi, euh, vraiment, été extrêmement prémonitoire. Par exemple, dans sa cinquième saison, elle avait montré, en fait, des attentats qui se préparaient, euh, des attentats djihadistes en, en Allemagne. Euh, et, en fait, euh, l'épisode qui euh, présentait ces attentats étaient diffusés juste avant en fait euh, les attentats de Paris et ils ont même changé euh, les euh, euh, donc euh, ch changer euh, les paroles en fait ouais. euh, faire voice over pour, pour Prendre en compte en fait les attentats qui avaient. Elles anticipent parfois même le réel. Voilà, il y a vraiment cette capacité d'anticipation qui est très importante, et c'est à cause de cette capacité d'anticipation qu'il y a aussi euh, bien sûr bah, cette, cette capacité euh, d'influence et de, de prise en compte en effet de, de ce qui int intéresse le public. Hein, dans euh, ses attentes politiques, euh, morales, euh, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette éducation citoyenne et morale euh, passe par des personnages qui, vous le soulignez Sandra Logier, euh, oui. des personnages qui ne sont pas moralement exemplaires. Et on pense notamment à la figure de Carrie Matisson, vous parliez de Homeland il y a quelques instants, qui est une sorte de, de, de miroir renversé de 24 heures chrono. l'Amérique qui s'interroge après oui. les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Ou en oui. tout cas pendant ces guerres-là. Oui, ce qui est vraiment passionnant dans les séries télévisées, et en particulier dans ce genre de séries autour du terrorisme, qui permet des interrogations morales très profondes. Puisqu'on a toujours des personnages qui sont assez ambivalents, qui sont pas faciles à cerner. Et en effet, déjà Jack Bauer n'était pas non plus euh, voilà un personnage entièrement équilibré. Hein, Mais n'était pas bipolaire comme Carrie ouais, Mathison. Là, Carrie Mathison a permis en fait, euh, c'est vraiment une étape puisque ça a permis de montrer en effet qu'un personnage tout à fait important avec euh, des grandes compétences aussi hein, dans son travail pouvait être effectivement tout à fait euh, euh, bipolaire et avec toutes sortes de euh, toutes sortes de problèmes. Euh, Psychologique et des, des défauts, c'est à dire que un personnage peut être tout à fait centrale dans une série, euh, susciter un très fort attachement du public, hein, puisque maintenant, comme l'un déterminé, elle nous manque, hein, malgré ouais, tout, à hein, Carrie. Mais, euh, malgré tout, avoir, en fait, euh, cette importance extrêmement grande dans le déroulement d'une série. Et ça, c'est un point très important qui existe peut-être euh, bah, depuis le début du siècle. On a, comme ça, tous ces personnages qui vont être très imparfaits, hein, qui vont toujours avoir quand même euh, une part d'ombre. Et c'est cela qui permet qu'on s'intéresse à eux ce qui fait que même maintenant on a des personnages carrément abominables comme dans la série Succession, Succession mmh. euh, et on s'intéresse quand même, quand même à eux mais euh, c'est vrai que dans ce livre on, on a centré sur des séries où il y a des personnages qui sont quand même euh, vraiment importants vraiment intéressants et euh, bah, vous savez aussi qu'il y a la série là il y a la quatrième saison de la série Fauda enfin, oui, alors justement il y a deux séries euh, israéliennes qui sont abordées euh, ah, et oui, étudiées dans le livre Fauda et Aourbois oui. Fauda qui bat tous les records avec sa saison qui a ouais. diffusé en ce moment sur Netflix. Euh, pour Amélie Ferré, qui écrit le, le, le texte, Fauda donne la parole, et c'est un point de vue très intéressant, euh, au-delà même de la question du donner la parole, ce qui avait été beaucoup mis en avant euh, à, aux Palestiniens, aux groupe terroriste palestinien, notamment mmh. Hamas, dans les premières saisons, euh, puis au groupe État islamique. Euh, Fauda donne, donne la parole et rend hommage, selon elle, à l'apport des Mizrahim, les Israéliens oui, d'origine orientale, euh, en matière sécuritaire, en l'occurrence, une manière, selon elle, euh, de valoriser aussi le désir de réappropriation de l'identité nationale israélienne. Un mot alors, sur cela Alors, euh, d'abord, un mot sur Fauda, parce que c'est vraiment une série qui a transformé la vie hein, de, de tous les gens qui l'ont regardée, hein, et notamment en France, elle est quand même extrêmement, mmh. euh, extrêmement populaire, et euh, c'est aussi euh, une série qui a vraiment... Euh, permis De mettre en évidence en fait la, la capacité d'une série à rassembler très largement des personnes d'options euh, vraiment différentes aussi, puisque Fauda euh, a été en tout cas ces deux premières saisons. Parce que, comme l'explique Amélie Ferré, la troisième et la quatrième sont peut-être orientées un peu différemment. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas encore mais, vu la saison 4, <laughs> mais en tout cas, euh, c'est vrai que la première et la seconde saison avaient cette capacité à donner la parole en fait à, à des groupes extrêmement différents et à montrer une forme de. De proximité, alors pas politique, mais une sorte de proximité culturelle entre eux, donc ben, les, les Israéliens et, et les groupes palestiniens, puisque Doron, donc le héros de cette ouais. série, qui est aussi un personnage, un de ces personnages comme Carrie, qui n'est pas forcément, hein, voilà, qui a aussi, qui n'est pas qui est attachant parce que imparfait euh, donc euh, arrive tout à fait à se faire passer euh, comme euh, donc euh, comme un arabe dans, dans ses dans ses enquêtes. Et donc je crois que c'est quelque chose ça hein, qui Il y a un France, jeu sur l'identité justement. Évident. Ce jeu sur l'identité, ça a été une révélation pour beaucoup de gens qui connaissent pas forcément Israël et qui n'ont pas en fait cette euh, qui n'ont pas connaissance en fait de ces euh, de ces réalités là hein, pour, pour un dernier petit mot une malheureusement que quelques secondes sur ah, Our Boys, que vous présentez autre ouais. série israélienne grande série que vous présentez dans votre introduction comme la plus grande et courageuse série politique de la décennie. Pourquoi oui. Alors, euh, Our Boys est une série qui en effet, euh, d'abord, c'est Agaï Levy, hein, d'ailleurs, bon, qui a, a peut-être le plus grand auteur de séries actuelles, même si on n'a que 10 secondes, je voulais dire à quel point les séries israéliennes sont la source quand même de tous les progrès des séries qu'il y a eu depuis quelques décennies. Hein, c'est un tout pays à abs vraiment absolument pionnier en matière de séries, et c'est vrai que un Boys est peut-être euh, bon plus équilibré aussi que Fauda dans sa représentation finalement des deux communautés impliquées et c'est vraiment une série qui pose des problèmes éthiques extrêmement forts sur un sujet quand même extrêmement sensible et qui arrive vraiment à avoir une vision pour moi tout à fait, tout à fait, tout à fait équilibrée en donnant la parole à des approches très différentes et en respectant tous les, tous les acteurs. Merci beaucoup Sandra Loger d'avoir été avec nous, je conseille Très très vivement la lecture euh, de votre livre euh, donc vous, Que vous dirigez en tout cas Avec toute une équipe de chercheurs Les séries laboratoires d'éveil politique C'est publié euh, chez CNRS édition Merci encore et à très bientôt sur Radio-J Et bon visionnage de, des prochaines séries à suivre ah oui,